Des enfants, petits-enfants, ont défilé tout l'été. C'est un peu triste à présent, c'est un peu comme chaque année. Ses parents, ses grands-parents sont encadrés dans l'entrée. Il n'a que 3 ou 4 ans, il se tient à leur côté. Il dit c'est mon dernier refuge, il s'y installe hors saison. Il sait qu'après lui le déluge, il ne se fait guère d'illusion. Première ligne face à la mer, belle époque, jolie villa qu'avait fait construire son grand-père. Mon Dieu que c'est loin tout ça. Georges et Marguerite, j'aime ces deux prénoms en lettres manuscrites. Georges et Marguerite, gravés sur le fronton. Mais les lettres s'effritent. Ces maisons d'un autre temps se font rares sur leur emblème. Les immeubles au fil des ans se sont dressés sur la baie. Un beau jour viendra son heure, c'est encore une des dernières. Elle résiste à l'envahisseur, aux promotions immobilières. Sur la terrasse, un rocking chair, voilà 5 générations qu'on y passe des heures entières à contempler l'horizon. Il s'y installe tous les matins, et quand je passe à bicyclette, je lui fais un signe de la main. Il y répond d'un signe de tête. Georges et Marguerite, j'aime ces deux prénoms en lettres manuscrites. Georges et Marguerite, gravés sur le fronton. Mais les lettres s'effritent. Cette année il n'est pas venu, c'est dommage, il a fait si beau. Je crois bien qu'il ne viendra plus, les contrevents sont restés clos. Le rocking chair est resté vide, on leur a dit qu'il était triste. Même la mer avait pris des rides, de voir qu'autant rien ne résiste. L'aventure touchait à sa fin, dernier bastion, dernier vestige. Livraison au printemps prochain d'appartements de